collectif Arles Kapalai qu'on a fait, Comité National Femmes et Développement. Notre travail, c'est de militer pour la promotion et la protection des droits des femmes. Comme vous le constatez, la République démocratique du Congo, depuis plus d'une décennie, connaît des guerres, des occupations, des agressions. Et puis tout cela n'a pas favorisé vraiment la femme congolaise à émerger. On a plus de cas de viol, comme nous sommes maintenant à Bukavu. Et comme on le dit, c'est la capitale de violence sexuelle. Notre défi, c'est d'arrêter la violence. Nous disons stop aux violences faites à la femme, que ce soit les viols, les mariages précoces. Il y en a tellement beaucoup, les harcèlements sexuels. Il y en a plusieurs sortes de violences sexuelles, mais plus nous voyons le viol parce que c'est vraiment récent. On a tellement de trop de cas. Bref, par rapport au viol, nous voulons qu'il y ait vraiment une justice réparatrice, qu'on arrête d'abord les auteurs et co-auteurs de viol et qu'on répare les femmes parce que la réparation, nous voulons vraiment une réparation holistique, donc sur tous les plans.